Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf politique. Merci de nous être fidèles. Vous avez été environ 1 million à nous suivre le mois dernier et nous vous en remercions. Nous allons recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a un CV autant long qu'un bras, et son bras est aussi long, plus long que le plus long fleuve du Cameroun qui est la Sanaga. Il est criminologue, il travaille en ce moment sur deux thèses doctorat, c'est ce que j'ai cru lire, mais il vous expliquera ça lui-même s'il le souhaite. Il vient de mettre sur le marché un livre qui parle, le livre est là, il est intitulé « Main basse sur la démocratie, secret d'un complot d'État contre Maurice Kamto ». Lui, c'est Boris Berthaud qui est sur le plateau de JMT Plus aujourd'hui. Bonjour Boris. Bonjour Jacques, bonjour les téléspectateurs. Comment ça va? Très bien, merci. Beaucoup d'émotions, hein? Bah ouais. Pourquoi? Simplement parce qu'après un travail aussi dense et intense, parfois on ne s'en remet pas, d'ici tout. Donc il faut peut-être avoir le temps de bien digérer le fruit que nous avons produit. La tradition ici veut que je serre les mains de ceux qui arrivent, sinon on pourrait m'accuser de ne pas t'aimer ou de m'être fait acheter, donc j'étais dans la main. Voilà, c'est fait. Il y a des paparazzi sont en coulisses, ils prennent quelques photos déjà, donc vous allez recevoir bientôt. Alors, Main basse sur la démocratie, un livre de Boris Berthaud. Je vais déjà lire ici la quatrième page, Boris, et nous allons en parler. Le 28 janvier 2019, Maurice Kamto, Christian Penda et Koka, Albin Zongan et près de 80 personnes sont arrêtées à Douala. Deux jours auparavant, à la suite des marches blanches lancées par la coalition de Maurice Kamto, qui conteste la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, près de 100 manifestants étaient également arrêtés dans d'autres villes du pays. Ainsi, en l'espace de deux jours, le pouvoir de Yaoundé embastillait près de 200 personnes ayant manifesté pacifiquement. À la suite de services dégradants et de traitements inhumains, ils sont déportés sur Yaoundé où ils retrouvent ceux qui avaient été arrêtés le 26 janvier 2018 à Yaoundé. Quel est en réalité leur péché, si ce n'est d'avoir voulu exercer démocratiquement leurs droits constitutionnels? Leur crime est simplement de défendre un homme, Maurice Kamto. Cet intellectuel de renommée internationale, policier, ancien membre du gouvernement qui s'est engagé depuis 2012 à remettre le Cameroun sur les chemins de la Renaissance. Ce livre retrace ce parcours parsemé d'embûches. Il raconte les intimidations, harcèlements, menaces qui ont émaillé l'ascension de Maurice Kamto et de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui en moins d'une décennie s'est imposé dans le paysage politique comme la principale alternative au parti d'État, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'arrestation de Maurice Kamto n'est en réalité que l'aboutissement d'une longue machination qui aurait pu s'intituler Cameroun, main basse sur la démocratie. Car ce qui s'est passé, ce n'est pas simplement une violation des droits constitutionnels d'un groupe d'individus, mais une savante entreprise intellectuelle de sape des acquis démocratiques pour un retour vers les heures de tyrannie les plus sombres de l'histoire post-colonial du Cameroun. Boris Berthaud, la quatrième page de ce livre glace un peu le sang. Vous parlez d'un complot savamment préparé et mis sur pied contre Maurice Kamto. Je vais ici dire, chers téléspectateurs, que ce livre est tout récemment sorti, on ne le trouve pas encore physiquement dans les marchés. Donc j'ai dû emprunter celui de quelqu'un pour faire cette émission. Je ne l'ai pas encore intégralement lu. Donc c'est vous qui allez donner l'envie. De toute façon, le titre déjà donne l'envie. Quel est donc ce complot qui a mené le pouvoir en place à arrêter Maurice Kamto? Expliquez-nous ce que vous pouvez nous faire savoir. Ben, je ne suis pas sûr que je suis capable d'expliquer longuement
l'ouvrage, ou du moins la trame principale qui est celle du complot, mais en quelques lignes, je dirais que Maurice Kamto représentait une menace pour l'ordre gouvernant, de par déjà sa stature intellectuelle, mais également les réseaux qu'il avait bâtis tout au long de sa carrière, à la fois académique, mais également d'acteur politique. N'oublions pas qu'il a été pendant 7 années ministre délégué auprès du ministère de la justice, ce qui lui a justement permis de pénétrer certains cercles de la diplomatie et des institutions international, mais également le fait que le contexte au Cameroun en lui-même était un contexte ou est un contexte bouillonnant depuis la dernière élection présidentielle de 2011, dont la victoire de Paul Biya était en réalité considérée comme le dernier mandat. Donc Kamto, en fait, quand il entre en politique véritablement, officiellement en 2012, à tout un ensemble de facteurs qui le prédispose justement à véritablement asseoir sa stature au sein de la classe politique de manière générale et plus directement au sein de l'opposition. Mais maintenant, il est encore plus vu par une menace parce qu'il connaît très bien le système. Et il faut le rappeler, il faut dire qu'il a été impliqué dans le dossier Bakassi. Donc en effet. C'est quelqu'un qui connaît très bien les coulisses du pouvoir et a pris le temps justement de l'analyser dans sa dimension répressive, parce qu'il faut dire qu'au Cameroun nous avons un État essentiellement répressif, et ce depuis les indépendances. Depuis la colonisation, si on veut, mais également dans les modes de gouvernance. Donc progressivement, c'est dès 2016 en vérité qu'ils ont commencé à matérialiser leurs craintes ouvertement contre Maurice Kamto, mais disons déjà que dès 2013, parce que l'élection de 2013, notamment les municipales et la députation, sont intéressantes parce que à ce moment, on a les vrais chiffres. Eux, ils ont les vrais chiffres. Et pour nous, à l'époque, j'étais le pouvoir a les vrais chiffres. J'étais journaliste à cette époque, au quotidien Le Jour, encore, où je venais d'entrer en mutation, peut-être, je ne me souviens plus très bien. Et j'avais couvert cette élection. Et j'avais principalement suivi la candidature de Kamto dans le Fundi. Dans la région de la capitale, Yaoundé, tout à fait. Et il y avait véritablement, on sentait une certaine effervescence autour de cette candidature, à la fois au sein de la population, mais également dans les médias. Mmh. Et on sait très bien qu'il a réalisé de très bons scores dans le Fundi. Mais il a perdu la députation. Il a perdu, il n'a pas été élu député, mais le pouvoir avait les vrais chiffres. Les vrais chiffres de cette élection. Cela signifie qu'il a été élu, mais il n'a pas été élu. Il a été, voilà, si on veut, à la Camerounaise. À la Camerounaise. Il a été élu, mais il n'a pas été élu. Donc, et là, je pense que c'est à partir de cet instant qu'ils ont principalement commencé à construire la menace Kamto. Et j'insiste même sur ça, c'est-à-dire que quand on lit là le livre, je montre très bien que cette élection. Et justement le refus du pouvoir de concéder la victoire de Maurice Kamto à la députation dans le fond est un élément déclencheur même dans la stratégie de l'individu. D'ailleurs, il martèle tout au long de ses discours dans les conférences de presse. Maurice Kamto, en réalité, depuis 2013, il a dit au pouvoir de Yaoundé, je ne vais plus tolérer que vous volez une élection. Je n'accepterai plus. Il ne l'a pas dit une fois, il ne l'a pas dit deux fois, il ne l'a pas dit trois fois. Il l'a dit depuis 2013, depuis cette élection. Donc, on voit là qu'il y a une certaine cohérence dans la démarche de l'individu, y compris aujourd'hui, lorsqu'il conteste la présidentielle du 7 octobre 2018. Il est simplement cohérent par rapport à un dispositif communicationnel, idéologique et politique qu'il a mis sur pied depuis 2013. Et donc, dès 2016, ils ont activé à la fois un complot imaginaire autour de 14 milliards. Ils ont mis en branle un discours clivant autour de soi-disant ethnicisation du MRC, et ils ont multiplié les agressions, les arrestations, les intimidations contre les militants de ce parti. Et dans le avant les élections présidentielles. Avant les élections présidentielles, c'est-à-dire qu'il y a un épisode que je raconte très bien, l'épisode Jean Cuété, où justement je souligne cette rencontre que Jean Cuété a avec un haut responsable du MRC. Il dit, Jean Cuété, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc parti au
au pouvoir depuis Mathusalem. Tout à fait. Voilà. Et donc, il nous dit clairement qu'on va arrêter Moïse Kamto. Et là, nous sommes avant, nous sommes 4 mois avant la présidentielle qui a cet entretien. Et encore que vous pouvez imaginer, c'est avant toujours la présidentielle, vous vous souvenez des t-shirts du MRC qui sont brûlés dans l'extrême nord du Cameroun. C'est un acte intolérable parce que la démocratie se fonde essentiellement sur la tolérance et l'acceptation de la compétition politique. Dans un pays normal, on aurait parlé de destruction de biens d'autrui. Tout à fait, on aurait pu. Dans un pays normal. Dans un pays normal. Donc, vous voyez que bien avant la présidentielle, il y avait déjà toute une entreprise, une entreprise de diabolisation du MRC. Et démolition de l'image, on pourrait dire. Voilà, démolition également de l'image de Maurice Kamto, dont son arrestation en réalité n'est que la matérialisation d'une grande machination, comme je le souligne à Catherine Nicolas. Puisqu'on va trouver tout cela dans ce livre, nous allons évoquer les chapitres, donner aux gens de comprendre ce qu'ils pourraient trouver dans le chapitre de ce livre, Main basse sur la démocratie. Est-ce que vous avez été inspiré par Main basse sur le Cameroun de votre illustre prédécesseur Mongo Betty? Tout à fait, c'est-à-dire que je vous dirais que le titre n'est même pas de moi. Je remercie les deux relecteurs qui ont lu cet ouvrage, principalement mon ami Yoko et quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer, et ce sont eux qui ont trouvé ce titre, parce que en lisant l'ouvrage, ils ont remarqué qu'il y avait un peu à la fois dans le style d'écriture, mais également la mise en scène des événements, une tragédie à la camerounaise qu'on avait déjà vécu par le passé sous le régime Aïdjo, et que même bas sur le Cameroun de Mongo Betty, qui est un classique en fait en sciences politiques et issu de l'histoire du Cameroun retracée déjà très bien. Donc ce sont eux qui justement au thème de leurs différentes lectures m'ont dit, Boris, le titre que j'avais c'était l'affaire Maurice Kamto, et donc ils ont dit non, c'est pas l'affaire Maurice Kamto. C'est car au-delà de Maurice Kamto. Au-delà de Maurice Kamto, dans cet ouvrage, nous sommes sur la démocratie, les enjeux liés à la démocratie, à l'existence même de notre société. Donc, et ton livre nous a fait beaucoup penser à celui de Mongo Betty, Main basse sur le Cameroun. Nous suggérions que ce soit plutôt Main basse sur la démocratie. La démocratie. Avant d'attaquer les chapitres, je tiens à dire ici, chers téléspectateurs, membres du camp d'en face, sachez que vous êtes également les bienvenus sur ce plateau comme Boris Berton. C'est moi qui vous ai invité par le truchement d'un ami, un frère que nous avons en commun. Quand il m'envoie la couverture de ce livre, j'ai décidé de vous inviter. Tout comme j'ai souvent invité les membres du RDPC qui ne viennent jamais, M. David Vondon, vous savez de quoi je parle. Je pourrais citer Roger Zembarga, le seul qui a été courageux en venant ici, c'est Paul-Éric Emery. Alors vous les autres, M. Nyamding Pascal, on s'est parlé une fois, vous êtes invité, j'aime réitérer mon invitation il y a 24 heures. Que lorsque vous m'aviez signalé que vous passerez sur un média camerounais, je vous ai dit que JMTV Plus vous attend toujours. Donc, ce plateau est ouvert à tout le monde, même au diable. S'il décide de quitter l'enfer, il est le bienvenu sur ce plateau. Voilà, les choses sont dites. Alors, Boris, ici, qui a donc préfacé ce livre? Ah, c'est Georges Duguely. Georges Duguely, qui, de mon point de vue, est le premier journaliste à avoir vu Maurice Kamto comme une menace potentielle, mais pour le pouvoir, mais également comme une alternative sérieuse pour le Cameroun. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre la figure de Maurice Kamto sur ces deux paradigmes. C'est-à-dire qu'il va contrer ou contrecarrer actuellement la tentative de monarchisation du pouvoir qui est en cours au Cameroun, ou pour reprendre son expression, la succession de gris à gris, mais également, voilà, mais également d'un point de vue politico-idéologique, quand on lit son programme, on analyse ses idées, on se rend compte qu'il a véritablement un projet de renouvellement de la société et de construction du Cameroun. Et Georges Duguely, dès 2016 déjà, Georges Duguely de Jeune Afrique, dès 2016, présentait déjà Maurice Kamto comme quelqu'un sur qui le Cameroun devra compter dans les prochaines années.
Donc c'est pour ça que j'ai été très honoré lorsqu'il a accepté de préfacer ce livre. Et j'en profite pour saluer le grand confrère, tout mon respect, M. Georges Louvelli. J'espère qu'on se rencontrera bientôt. Est-ce la raison pour laquelle, les raisons que vous évoquez, est-ce que sont-elles qui vous amènent à soutenir Maurice Kamto? Oui, oui, ça, si je le dis à l'introduction, c'est-à-dire que mon soutien à Maurice Kamto est d'abord lié à des principes qui sont très simples. Moi, je suis un libéral et donc je suis très porté vers les questions de droits de l'homme, vers les questions de liberté politique, liberté d'association et également sur les questions de gouvernance. Et l'arrestation de Maurice Kamto, en fait, c'est un crime contre la démocratie. On ne peut pas arrêter des gens qui exercent leurs droits constitutionnels, premier élément. Mais il y a également dans mon soutien à Maurice Kamto ce désir de voir des choses changer. C'est-à-dire qu'à mon âge, qui est l'âge de la majorité, vous en avez combien, si je préfère rester discret pour l'instant, ah. Mais je dirais simplement que je suis dans la tranche d'âge de la majorité des Camerounais, notamment près de 58% de la population. D'accord. Et donc, à un moment, on peut se lasser d'avoir à la tête d'un pays un homme qui a 36 ans de pouvoir. C'est-à-dire que 37 ans aujourd'hui, autant pour moi de pouvoir. Et surtout que c'est peut-être pas le nombre d'années qui pouvait poser problème, mais également lorsqu'on regarde les réalisations de M. Biya, on ne peut qu'être porté à vouloir surfer sur toute autre chose que lui. Donc il y a également cet enjeu-là, le fait qu'il est nécessaire pour les sociétés africaines de move forward, comme les anglo-saxons disent, de chercher d'avancer et de chercher quelque chose, d'attester des choses nouvelles. Mais également, il y a le fait qu'il faut toujours être porté sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est important et sur ce qui procure une confiance en soi. Le Cameroun est une société construite principalement sur la médiocrité. Or, des figures comme Kamto, ce sont des figures de l'excellence. C'est-à-dire que son parcours académique est assez édifiant sur le sujet. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on a ce type de personnes, on doit les protéger, on doit les défendre, on doit les soutenir. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, on voit très bien que les icônes académiques, intellectuelles sont sacralisées. C'est une évidence. On ne peut pas se permettre d'avoir des sociétés dans lesquelles on diabolise en permanence, on démolise des acteurs qui sont respectés. Toute proportion gardée, c'est comme si en France on emprisonnait Jacques Attali ou alors Fikel Kroon. Tout à fait, si, voilà, si vous voulez, parce que justement, ça. Maurice Kamto est d'un point de vue académique et de la taille de ces acteurs dans, dans le domaine du droit. Donc, ce type de personnes, il faut toujours les accompagner parce que c'est en ayant comme modèle ce type d'individu que soi-même on est porté vers l'excellence. Donc, c'est en fait cette combinaison de facteurs, pour me limiter à ça, qui m'amène à soutenir Maurice Kamto. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.devisio-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Alors, c'est quoi cette naissance d'un duel à distance? La naissance d'un duel à distance, en réalité, je raconte dans ce chapitre les heures qui précèdent la déclaration de victoire de M. Biya. Parce que Maurice Kamto, il vote d'un autre côté de Yaoundé, et Paul Biya, il vote de l'autre côté, notamment dans son centre. Pourtant, ils vivent dans le même coin? Paul Biya habite et te dit, ben on ne peut passer par Rompé Bastos, c'est Maurice Kamto habite et Santa Barbara. C'est vrai qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Mais ils vont voter un peu. Il vaut mieux qu'ils ne se croisent pas. dans des coins séparés. Mais déjà, les discours qui apparaissent, qui sont sortis de 7 octobre, notamment de la mi-journée, laisse déjà entrevoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Vous pointez le discours de Paul Biya juste après qu'il ait exercé son droit, son devoir citoyen. Un confrère, Medio, je crois, je sais pas, j'ai oublié le prénom, lui pose la question, comment est-ce qu'il entrevoit les choses, et il tient un discours
semblant dire aux gens, ben, j'espère que tout est calme maintenant, vous restez aussi calme après la proclamation de l'élection, tout comme ça. C'est écrit dans ce livre. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, dès justement ces premières heures du 7 octobre, on peut très bien voir qu'il y a, il n'y a pas de prédisposition, peut-être intellectuelle, si on veut dire, ou mentale, de M. Biya à concevoir des résultats ou accepter des résultats qui ne seront pas en sa faveur, dans la mesure où il précise clairement que les populations n'ont pas le droit de contester des résultats qui le donneraient vainqueur de cette élection. Alors, c'est pas normal déjà, c'est pas normal. On va peut-être pas dire ça comme ça. Il a dit qu'il espère que les populations ne contesteront pas tout à fait le résultat des élections. Il n'a pas dit qu'ils sont pas en sa faveur. Je ne défends pas M. Biya du tout. Non, ça c'est l'interprétation en fait de ces propos que je suis en train de faire. Ça montre très bien. Or, en démocratie, on doit contester. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire je suis pas d'accord. C'est un principe. Peut-être sauf au Cameroun. Oui, parce que on est presque plus. C'est-à-dire qu'il y a une régression. L'un des points positifs à mettre à l'actif de M. Biya, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est qu'en dépit de tout, il a quand même toléré une certaine ouverture de la société qu'on n'a pas pu voir partout, qu'on n'a pas dans d'autres pays en Afrique, notamment après les mobilisations de 90 et 92. On a eu la libéralisation de la presse, la liberté d'association. La pression venait d'ailleurs, Boris Berthaud. Ouais, je suis d'accord. Elle venait d'ici. Hein. C'est-à-dire que la pression venait après le fameux discours de la Baule où on conditionnait justement l'aide publique au développement, à l'ouverture des démocratiques, il n'en demeure pas moins que celui qui justement va acter ces mesures, c'est M. Biya. Parce que vous avez des pays comme la Mauritanie, vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, vous avez des pays comme la Gambie de Yahya Jammeh et autres, ou encore l'Égypte de Moubarak qui est encore au pouvoir, qui n'ont pas ouvert leur société. Donc, d'une manière ou d'une autre, M. Biya a quand même toléré un certain espace d'expression politique ou entre guillemets démocratique. Mais là, depuis au moins 2 ans, et j'essaye de le souligner dans ce livre, on voit très bien qu'il y a eu tout un processus de musellement de la presse, de restriction des libertés, dont la crise anglophone constitue peut-être l'un des moments clés. Vos propos rejoignent ceux de Eric Tshindje qui était assis à votre place il y a un an exactement et qui nous relatait cette discussion avec le président Biya en 1988 qui lui avait demandé de passer certaines personnalités en interview, notamment Christian Pender-Koka, Ameni Bielle, il avait fait ce travail-là mais jamais diffusé car des gens autour du président avaient décidé que ce travail-là ne sera jamais diffusé. Donc, quelque part, on a l'impression que ce monsieur s'est choisi des collaborateurs qui ont pris le dessus sur lui. Je suis de plus en plus réservé par rapport à cette approche victimaire qui voudrait que M. Biya ne soit responsable derrière. Il les a quand même choisis, il est responsable. Voilà. C'est toujours ses collaborateurs. En vérité, il est responsable. C'est lui qui les a choisis, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas le chien. Comment en 36 ans, un individu ne va choisir que des responsables mauvais? Cela veut dire que lui-même, peut-être, n'a pas les compétences ou les capacités de choisir des bonnes personnes qui l'entourent. Il a les compétences de ses compétences. Et ceci dit, il faut reconnaître quand même que cette thèse sur les collaborateurs du président est essentielle aujourd'hui. Elle est essentielle. Et le cas Kamto, je le montre surtout lorsque je décris les heures entre le samedi 26, notamment après les cartes des ambassades de Paris et de Berlin, et l'arrestation de Maurice Kamto le 28 aux alentours de 19h, quand ce processus qui amène à la décision politique de son arrestation est essentiel parce qu'elle montre très bien comment l'entourage du président manœuvre à ce moment. C'est-à-dire que c'est à ce moment qu'on est dans la phase décisive d'acter l'arrestation de Maurice Kamto, qui n'a rien à voir et avec les cartes des ambassades. Et je le dis très bien parce qu'il y a quelque chose qui est assez frappant dans cette affaire. C'est que l'ambassade de Paris est encore occupé par des manifestants à 20h30, 21h. Mais M. Emmanuel Sadi est
attend, l'on dit, dresse déjà un bilan de l'attaque de l'ambassade. Pourtant, il y a le personnel qui se trouve dans cette ambassade. À ce moment, ils sont séquestrés, ils sont enfermés dans des bureaux dont eux-mêmes, ils n'ont même pas accès et ne mesurent même pas l'étendue des dégâts qui sont causés. Il est impossible que le gouvernement de M. Biya, qui est à 6000 km, puisse avoir un bilan. Un bilan, oui. Alors que le personnel n'y est pas. Le personnel n'y est pas. Et la police française n'a pas encore pénétré dans l'ambassade, parce que c'est après 21h30 que M. Amadou délivre une autorisation. Antoine Amadou délivre une autorisation à la police française de pénétrer dans l'ambassade. Donc, il y a une question qui est permanente. Comment ce gouvernement sait que l'ambassade a été pillée et dans quelle mesure ils ont eu accès à tout ce qui a été un peu qui a été saccagé en quelque sorte? Sur quelle base? En lisant entre les lignes Boris Berthaud, tout a été orchestré depuis Yaoundé, quoi. Il est probable que tout a été orchestré depuis Yaoundé, parce qu'il y a quand même, y compris dans la chaîne de décision sur la protection de l'ambassade du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui il feint de ne plus mettre cette accusation au devant de la scène, qui est tombée comme un chapeau de cadre, l'accusation qui voulait que M. Kanto soit responsable des casses de cette ambassade. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'existe plus. J'en profite ici pour le dire, il faut restituer la vérité quelquefois. 4 jours après l'arrestation de Maurice Kanto, le CCD délègue Charles Lobel. Je vais venir s'asseoir là, je lui pose mes questions. Et il dit clairement qu'il n'avait jamais rencontré Maurice Kanto, il n'avait jamais été en contact avec lui. Il cite ceux par contre qu'il connaît, qu'il a reçus, parmi lesquels Cabral Libi. Je peux vous dire que j'ai reçu des coups de téléphone menaçants. Pourquoi j'ai permis à ce monsieur de dire qu'il n'a jamais rencontré M. Kanto? Je le dis aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour que vous compreniez combien ce livre est important. Lisez-le pour compléter ce que moi-même je ne savais pas. Tout à même fait. Sur la démocratie, oui, ça s'est passé comme ça. Et donc, il fallait un bouc émissaire. Et on voit très bien que la base, une semaine avant l'attaque des ambassades, vous avez le commandant de la base, Calibro Calibri, qui justement fait une déclaration où il annonce qu'ils prendront l'ambassade. Vous avez Marc Senghor Ivoire. On est tous sont venus le dire ici, oui. Qui vont attaquer l'ambassade. Vous avez l'ambassade du Cameroun qui envoie une correspondance. En effet, je l'ai. Au ministre des Affaires étrangères pour protéger l'ambassade, qui transmet la même correspondance, une autre correspondance au ministre des Relations extérieures. Vous avez l'attaché de défense qui informe le ministre de la Défense, qu'il y a une opération qui sera menée par des activistes. Nous sommes encore à une semaine du 26 janvier. La veille encore, il réitère, la veille du 26 janvier, ils réitèrent tous dans leur direct sur Facebook qu'ils vont prendre l'ambassade. Vous avez le commandant Wanto du CCD. Robert Wanto, qui aujourd'hui est convoqué par la police française, allez comprendre. Bon, allez. Tout à fait, qui a clairement indiqué dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, que je cite dans cet ouvrage, qu'ils vont devoir répondre au cas où le gouvernement camerounais utilisait la force contre les manifestants. Donc on ne peut pas dire que personne n'était au courant de ce qui se préparait sur Paris. Ouais. Tout le monde était au courant. Mais la question est simple. Comment a-t-on laissé l'ambassade du Cameroun sans protection le 26 janvier? Qui était informé? Pourquoi on a laissé faire? Qu'est-ce qui se tramait surtout? Oui, qu'est-ce qui se tramait? C'est clair, puisque dès le 26 janvier, en pleine conférence de presse, le bouc émissaire est trouvé, c'est Maurice Kanto. Et le lendemain, je le dis, c'est une information qui est passée presque inaperçue, M. Grégoire a publié sur son compte Facebook un message où il ne cite pas directement Maurice Kanto, mais il accuse les militants du MRC. C'est-à-dire qu'on avait déjà la personne qui devait porter un chapeau, le chapeau de cette affaire. Or, tout porte à croire qu'il y a eu des défaillances criades au sein de l'administration. Ou peut-être on a fabriqué la différence. Et j'essaye de le dire parce qu'il fallait arrêter Kanto. Il fallait arrêter Maurice Kanto parce qu'il était dans une dynamique de déstructuration du jeu politique. Mais son arrestation, en fait, même a aggravé la situation. Ça, c'est une certitude. Mais à ce moment, ils ont dit qu'ils vont arrêter Maurice Kanto.
Et il cherchait le mobile pour l'arrêter. Et là, les casses des ambassades a été simplement l'occasion. Donc on peut parler de machination pure et simple. Surtout que M. Bargangele, lorsqu'il rencontre, et je raconte cet épisode dans l'ouvrage, lorsqu'il rencontre Christian Pendegoka, qui est en compagnie de Paul Erekinge, il leur martèle à plusieurs reprises de demander à Kamto d'arrêter de marcher. Nous sommes en décembre 2018. Il demande d'arrêter de marcher. Il ne voulait pas et il n'acceptait pas les marches de l'opposition à ce moment-là. Pourtant, c'est un pays dit démocratique. Ce sont les contradictions. Leur parti, c'est Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait, ce sont les contradictions. C'est très inquiétant. En Afrique, lorsqu'il y a le mot démocratique dans le nom d'un parti politique, il n'y a jamais de démocratie vraiment. En République démocratique, il y a démocratie. Oui, c'est D'accord. Main basse sur le Cameroun. Pardon, vous voyez. Même basse sur la démocratie. J'arrive à m'emmêler les pédales. Secret d'un complot d'État contre Maurice Kamto. Peut-on l'appeler secret d'État? On se rend compte là que tout a été bricolé, quoi. Quand on vous lit, quand on vous écoute, on se rend bien compte que tout a été bricolé. Un secret, un complot d'État contre un homme. On fait un peu plus attention que ça, on ne laisse pas traîner des choses qui pourraient venir le disculper demain. Non, pas forcément. C'est-à-dire que je découvre le complot, en réalité. Et le complot, ce n'est pas le moment. C'est ce que j'essaye de dire. C'est pour ça que le titre même bas sur la démocratie est très important. C'est-à-dire que l'arrestation de Kamto, c'est un épiphénomène dans la dynamique globale dans laquelle on est. C'est-à-dire que Kamto, ce n'est que le bouc émissaire. Mais le complot, en fait, vise à saper toutes les institutions, vise à saper la démocratie, vise à saper les libertés fondamentales. Donc, Kamto, dans le contexte camerounais, justement, symbolise ces valeurs pour lesquelles nous nous battons, la liberté, la démocratie. Donc, le complot d'État contre Kamto, en fait, c'est le complot contre le Cameroun qui est en cours. Complot contre le Cameroun, orchestré par des dirigeants camerounais. Oui. Pas des dirigeants, mais je peux être plus précis, par un groupe d'individus qui visiblement tiennent les rênes de l'appareil politique et tentent de se reproduire. Parce que c'est pas tout. Et là également, il faut beaucoup nuancer, voire relativiser l'analyse de la classe politique actuelle, notamment du parti au pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas un système homogène, c'est une organisation très hétéroclite où il y a des acteurs qui n'obéissent pas forcément aux ordres qui sont donnés par d'autres acteurs. Vous avez des groupes de pression à l'intérieur qui sont dans toute une autre logique par rapport à d'autres. Donc, il y a juste un clan et c'est ce clan qui est principalement tenu, de mon point de vue, par la première dame. Chantal Biya qui a pris en otage la République et qui mène en fait. Elle a pris en otage la République. La République c'est une accusation grave, Boris Berthaud. Rien ne fonctionne. La République est prise en otage par ce groupe d'acteurs qui visiblement a ce projet de monarchisation de la République. Et vous parlez d'un groupe. Vous mettez à la tête du plan de ce groupe, Madame Chantal Biya. Qui d'autre voyez-vous autour d'elle? Ce clan. Là, je vais pas citer, c'est-à-dire que on sait par exemple très bien que c'est ce que j'appelle la galaxie Nangaiboko. Dans l'ouvrage, j'essaie de donner certains noms et leurs filiations avec elle, mais là également, vous avez toutes les nominations qui sont en cours depuis 2 ans, en vérité, visent justement à élargir. Si vous voulez que je prenne un cas, on peut dire que la galaxie Chantal Biya, c'est un peu le système Trabelsi, la traversée en Tunisie avant la chute de Ben Ali. C'est-à-dire que on se souvient qu'à l'époque, Léla avait mis la main sur le pouvoir en Tunisie. Ses cousins étaient partout. Ses neveux. Même dans l'eau à boire, il y avait ses cousins. Tout à fait. C'était un mélange politique, d'affairisme qui ne disait pas son nom. Et c'est un peu ça, même dans les marchés de la canne, c'est assez intéressant. C'est que on voit très bien que la famille présidentielle est impliquée dans plusieurs marchés, c'est-à-dire que ce soit les enfants ou que ce soit à travers les sociétés écrans.
Donc, on est vraiment dans le système de la traversie. Et c'est pas une accusation grave que je formule, parce que lorsque vous regardez le profil de Lila Travelsi et que vous regardez le profil de Chantal Biya, les comparaisons peuvent vraiment être établies. Sur beaucoup de plans. Oui. À la différence de Grace Mugabe, par contre. À la différence, quelques différences près. Donc, je préfère plutôt comparer avec Lila. Un bébé né par césarienne. Oui, c'est le MRC, la naissance du MRC, c'était un peu, c'était très compliqué, beaucoup de tractations, beaucoup de difficultés, les interdictions et autres. Parce interdictions. Oui, les interdictions de réunions, souvenez-vous, et j'ai encore une bonne mémoire parce qu'à l'époque, c'était le procès Marafa était en cours et ce jour, le jour du lancement du MRC, c'était barré, c'était barricadé partout et comme tout était au temps, ils ont coupé la lumière. Ils ont coupé la lumière dans la salle du Hilton où il y avait cette cérémonie. On a interdit aux journalistes d'avoir accès à la salle, on a déployé des policiers au long, le lancement d'une partie. C'était le lancement d'une organisation politique. C'est pour ça que je parle de même pas sur la démocratie, parce que lorsque vous rentrez dans le passé en 2012 et vous voyez très bien les actes qui sont posés dès cet instant, vous avez une analyse un peu plus élaborée de ce que nous vivons aujourd'hui. On voit très bien que c'est un long processus. C'est tout un long processus qui rend compte de toute la complexité de la violence à laquelle fait face le Maurice Kamto et son organisation aujourd'hui. Parce que après cette interdiction, il y avait une conférence de presse tenue deux jours après par Alain Foguet dans son centre au niveau de Malène. Et je raconte également cet épisode dans le livre. La gendarmerie était intervenue avec le préfet pour interdire cette réunion. Dans un lieu privé. Comme ce fut le cas chez Albin Zonga. Tout à fait, comme ce fut le cas chez Albin Zonga, on a interdit une conférence de presse. Donc même les conférences de presse étaient déjà interdites. Donc, je crois que pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui, il faut avoir ce qu'on appelle long-term analysis, c'est-à-dire une analyse dans la longue durée, si vous voulez, de la situation. En vous écoutant, on se rend compte que l'ostracisation de Maurice Kamto par les médias camerounais était donc imposée par le régime. Peut-être aujourd'hui, il y a ostracisation de Kamto, pas par les médias, pas une catégorie. J'en ai souffert, hein, je vous explique. Oui. En 2018, il y a donc un peu plus d'un an et demi, j'ai été pris à partie par un ami, une bonne connaissance, Mathieu Youbi, je peux le citer, qui estimait que moi aussi j'ostracisais Maurice Kamto, je ne lui donnais pas la parole sur JMTV+. Oui, je comprends. Que j'étais à la botte du parti du régime. Oui. Donc, je suis souvent aussi accusé par l'opposition, vous voyez, chers téléspectateurs. C'est l'histoire de Jésus. Non, mais le problème, c'est que je comprends très bien Mathieu. C'est que, comme ce fut le cas avec la crise anglophone, ça ne le relève pas, en vérité. Parce que la crise anglophone a permis au régime de tester tout un ensemble de mécanismes de musellement à la fois des libertés civiles, mais également des libertés médiatiques. Parce que non seulement dans le contexte de la crise anglophone, les manifestations pacifiques ont été sévèrement et sauvagement réprimées, que ce soit des étudiants, que ce soit des avocats, que ce soit des enseignants, mais en plus de cela, il y a eu tout un musellement de la question. Si on a interdit aux journalistes d'organiser des émissions autour de la crise anglophone, on a fixé un canevas communicationnel et langagier à la presse privée. Donc, il y a eu ça. Et à un moment donné, sur Kamto également, on a assisté un peu à cette même dynamique. Mais en 2012, si vous voulez, jusqu'en 2018, Kamto n'a pas beaucoup souffert de ça. Il faut le reconnaître. On peut dire même, en réalité, c'est ça, Kamto a été pendant longtemps sous les médias. Mais parce que... Parce qu'il a de la verve. Parce qu'il... On boit du petit lait en le recevant. Voilà, j'ai passé 5 c'est temps lui. Il est agréable à écouter. Ouais. Il est agréable à écouter. Il offre de l'espoir. Il permet d'avoir de nouvelles perspectives sur le Cameroun. Et il ne parle pas beaucoup.
c'est quelqu'un qui est efficace, y compris pour les journalistes. On, ah bah oui. On dirait un bon client. Croyez-moi, c'est un très très bon client. Voilà, on va encore dire, ah, Jackie, moi faux, Kamto Bamileke, journaliste, on s'en fout. Franchement, permettez-moi d'être grossier, on s'en fout. C'est un très bon client, Maurice Kamto. Tout comme Akere Mouna a été un bon client pour moi. Je ne dirais pas la même chose des autres candidats présidentiels qui, franchement, ne valait pas grand chose. Tout à fait. Voilà, je peux le dire. Et donc, en 2012, en réalité, on tentait de museler déjà Kamto. Mm-hmm. Mais il a. Et quand vous allez même plus loin, c'est-à-dire que regardez un peu la première convention du MRC, la convention qui donne effectivement naissance au MRC, vous allez vous rendre très bien compte qu'on a fait pression sur le locataire de la salle. Alors que la salle avait déjà été payée, qui convoque Kamto le jour de la convention pour lui dire de venir prendre son argent. Donc à ce moment, il se retrouve dans une situation compliquée parce que les délégués sont partis de l'extrême nord pour venir tenir une convention à Yaoundé. Ils sont partis de l'est, de l'Adamawa et autres. Mais n'y avait-il pas un contrat passé avec la salle? Il y avait. Le préfet à l'époque, je crois qu'il y a de 4 ou de 5, s'est fait le porte-parole, si vous voulez, du loi de la salle. C'est le préfet qui était le porte-parole. C'est lui qui appelle Maurice Kamto pour lui demander de venir prendre son argent. Pourquoi? Et le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Vous voyez, et donc c'est dans la nuit, donc ils ont dû anticiper de quelques heures le début de la convention. Ils l'ont tenu au siège du MRC et la police arrive aux alentours de minuit, une heure, pour venir leur dire qu'ils sont autorisés à organiser. Or, ils avaient déjà tenu leur convention. Donc, c'est pas que je parle de la césarienne. La césarienne. La difficulté qu'un homme a exister. La suite, vous la direz dans ce livre, Main basse sur la démocratie, secret d'un complot d'État contre Maurice Kamto de Boris Berthaud, qui est dans notre invité, chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques minutes après une toute petite page de réclame.